tamata ko rai te me hamani ti mai no te hora ruma ho e marunu mai te tota to fare rei rai to te fan hora fare ma hina ta to te hamata te te me taro atu te hora ruma piti mai di hoa ia i te toru mini ti mai no te hora ruma piti ia no te fan hora no te e mahana nei e fari mai ta to ti te mo manini rau tumu tumu pra nare ta to ia pora ua te te me horo pora ua. Merci Mario, bonjour tout le monde et bienvenue sur la première dans votre émission Fare Maohi. Aujourd'hui, jeudi 15 novembre, nous serons avec Sarah Vaki et Stéphane Touohe pour parler du Salon des Marquis. Ça sera à Oraitinihau à partir du 17 et jusqu'au 2 décembre. Sylvie Ogier et Eugène Tarati seront également nos invités. Avec eux, nous allons parler du Grand Prix de Polynésie de force athlétique. C'est organisé par la Fédération Tahitienne de Culturisme et des Sports de Force, pardon. Et ce sera ce samedi 17 novembre, salle Fatawa. Les informations tout à l'heure vous seront présentées par Chiquita Teiva Darouzès. Et puis nous aurons d'autres invités, Thierry Calonne notamment, avec Mirlanda Tanguy, Théo Tahi, pour parler de la semaine du handicap et pas seulement, surtout pour parler des missions de la fédération de Teniu Otehuma. Gilles Ono et Charles Van Kam d'Issoupa sont déjà là. Et avec eux, nous allons parler des dangers des antennes en relais des téléphonies mobiles. Et c'est avec notamment l'association Te Puai o Te Natura. Tra, ta ta tomo manini no te te mene me te matru he tatu. Toraro, tapa et margia, whaoro mai, harero tatu, i te hope arau, te whanhora. Ta mahani, whao etu no ke tau rere anu. Gilles Issoupa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous nous avez sollicité parce que vous avez des petites inquiétudes, je devrais dire. On vous a vu à la télé aussi, hein, Issoupa, vous en avez parlé. Ces antennes relais que l'on voit pousser un petit peu partout, est-ce qu'elles sont finalement dangereuses? C'est Gilles qui veut en parler ou Issoupa? Allez Gilles, vas-y. Ah, c'est Issoupa qui commence. Bon, allez, en tant que président de l'association. Bien sûr que ces antennes sont nocifs à la santé. On a plusieurs témoignages de France hein, qui viennent nous soutenir. Robert Détois, par exemple, c'est une grande association et qui ont prouvé aujourd'hui que ces ondes électromagnétiques sont cancérigènes. Mmh. Voilà. Alors, j'ai vu en faisant des recherches hein, pour trouver des photos, pour illustrer un petit peu le sujet, qu'il y avait comment on va dire ça? C'est le tribunal, un des tribunaux en France qui a jugé que ces antennes-là n'étaient pas dangereuses et donc qui avait débouté un maire de sa demande d'enlever les antennes relais dans sa commune. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ici en Polynésie? Le jugement que j'ai à la main, il est tout récent, il date du 30 octobre 2012. Ah oui, c'est vraiment le tout dernier, le là. Tout récent. C'est pour ça qu'on a demandé à passer à l'antenne. Mm-hmm. Et alors, ce jugement-là dit le contraire? Il dit que c'est cancérigène. Mm. Voilà. Mais alors, comment faire? Parce que ces antennes sont obligatoires, en fait, obligatoires. Pour qu'on puisse utiliser notre Vini et un petit peu partout, c'est pour ça qu'on met des antennes. Donc, est-ce que le fait de les enlever, de demander à ce qu'on les enlève, est-ce qu'on va pouvoir continuer à téléphoner? Je sais pas, Gilles? Oui, ce que je pourrais dire, c'est qu'elles ne sont pas vitales puisqu'il en existe déjà de la concurrence. Et là, c'est juste une concurrence qui se met en place. Donc c'est rajouter de nouvelles antennes relais. C'est ce que vous voulez dénoncer, en fait. C'est ces nouvelles-là qui arrivent sur le territoire. On n'est pas contre la concurrence, mais en fait, ces antennes-là sont placées, on peut dire, n'importe comment et sans aucun respect de l'environnement, vu que ce ne sont pas des petites antennes camouflées ou... Les antennes camouflées, c'est celles qui ressemblent à des palmiers là, qu'on voit fait, partout. Oui. Hein. Oui. Et celles-là, celles qui sont en place, enfin, qui sont en train de mettre en place actuellement, ce sont des pylônes de plus de 30 mètres de haut et qui ne sont pas du tout camouflés. D'accord. Donc c'est une pollution visuelle. Alors, pollution visuelle et nocif pour la santé. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une solution sur ces antennes relais? Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui qui existe et qu'il faudrait mettre en place? Parce que les antennes, elles ont déjà été installées, je crois. Oui, mais elles ont été installées dans le plus grand secret. Oui. Personne n'était au courant de ce qui se faisait. Donc maintenant qu'elles sont installées, vous, ce que vous demandez, c'est qu'elles soient enlevées ou qu'on utilise quelque chose pour contrer un petit peu ces ondes magnétiques qui nous arrivent. Enfin, est-ce que c'est des ondes magnétiques? Je ne sais pas. Électromagnétiques. Oui. Et ça fait quoi au niveau de la santé?
eh bien, ça peut nous donner des, enfin, des maux de tête jusqu'à un trouble du sommeil, mais aussi de tumeurs au cerveau avec la leucémie. Exactement comme le nucléaire. C'est le cas aussi des antennes camouflées ou pas? Pareil, mais seulement, il y a une différence de puissance entre ces antennes relais et ces antennes qu'on a, nous, en face de chez nous. Et ces gros pylônes, là, on va voir une photo d'ailleurs, ces gros pylônes, voilà, qui poussent pour la téléphonie mobile. Parce que chez nous, là, ici, c'est une station de base, hein, c'est un centre émetteur. Alors, avec une puissance de, enfin, avec 2100 MHz, et ils bombardent des ondes jusqu'à 10 km. Alors, j'ai fouillé dans Internet, justement, pour avoir toutes ces informations. Alors, je ne pense pas que nous... Gilles, il est à 50 mètres de l'antenne. Moi, je suis à peu près à 200 mètres. Mais qu'est-ce qu'on va ramasser comme onde? Et alors, qui vous êtes allé voir pour dénoncer ça? Bon, d'abord, le maire de Faa. Mm-hmm. Bon, on l'a demandé que ces antennes soient déplacées dans un lieu inhabité. Et que vous a-t-il répondu? Il a dit que, faites une lettre. Et donc en fait, vous aimeriez peut-être faire une pétition dans ce cas-là. Il faudrait alerter tous les riverains qui auraient une antenne relais tout à côté de chez eux. C'est ça? Oui, tout à fait, hein? Tout à fait, parce que ça se plante partout dans les districts en ce moment. Et puis, bon, il faut prendre des mesures, justement. Il faut légiférer cette nouvelle technologie. Eh oui, c'est bien les nouvelles technologies. Hein. On est content quand ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des effets négatifs. Vous, Gilles, quel a été votre sentiment quand vous avez vu ce pylône pousser à côté de chez vous? Ben, surpris et on peut dire écœuré, quoi. Vous aviez déjà entendu dire que c'était dangereux? Pas vraiment, non. Parce qu'on ne s'intéresse pas trop à la chose tant qu'on n'est pas concerné. Mais... le fait d'avoir un poteau de plus de 32 mètres avec 7 paraboles dessus devant un paysage magnifique, c'est dommage. Oui. Et de le voir, s'il est installé, il sera là. C'est-à-dire pour toujours. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une pollution visuelle qui vous a fait réagir et ensuite vous vous êtes rencontrés parce que vous habitez dans le même quartier. Voilà. Hein. D'accord. Et là, une pollution visuelle peut faire autant de mal que les ondes. D'accord. Donc pollution visuelle et pollution au niveau du corps. Donc, quand on veut vous rejoindre le mouvement pour dire non aux antennes relais, comment on fait? Vous avez créé un bureau, on peut vous retrouver quelque part? Non, mais on a déjà l'association Puerto Natura qui existe depuis bientôt un an. Bien, on se bat pour tout ce qui s'approche de la nature. D'abord l'être humain. On a mis la défense des droits de l'homme d'abord et de la nature. D'accord. Donc dans ce cas-là, on va voir l'association. Hein. Donc on donne ton numéro de téléphone, Soupa, hein. 78 75 93. Vous dites, voilà, moi ça m'intéresse parce que effectivement dans mon quartier, je m'étais jamais intéressée, comme Gilles, à ça. Je ne savais pas que ça pouvait être dangereux. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie qu'on me rassure aussi peut-être. Hein. Et puis si j'ai des questions, on appelle le 78 75 93. Vous faites une sorte de collectif. Vous faites signer déjà des pétitions? C'est déjà fait. On a fait un sitting il n'y a pas longtemps à la place Povana. Et vous allez en refaire un autre ou pas? Oui, il faut entériner ce problème-là. Si on le déplace et puis si le gouvernement va légiférer. Oui, parce que là, on voit une photo, là, hein, mais ça se passe en métropole. Non aux antennes relais, ça veut dire que c'est vrai qu'en métropole, il y a aussi un mouvement qui est contre les antennes relais et ici va se monter ce mouvement aussi local sur les fameuses antennes relais, ces grosses antennes qui ne sont pas camouflées, en sachant que pour les deux, il y a quand même des dangers. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors, si vous interdisez, juste une question comme ça, si vous interdisez à ce nouvel opérateur qui vient d'arriver de mettre ses antennes relais, est-ce que vous accepteriez qu'il mette des antennes camouflées? C'est pas du tout le camouflage qui nous intéresse. C'est justement de peut-être réduire les puissances et, bon, de mettre dans des lieux inhabités. Est-ce que vous les avez... Ça s'est pas bien passé. D'accord. Chacun tenait ses propos, ses convictions. Chacun reste sur ses positions. Voilà. C'est-à-dire, d'un côté, on vous dit non, il n'y a pas aucun danger et puis tout va très bien. Et de l'autre, vous avez et la pollution visuelle et des inquiétudes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. C'est ça, Gilles? Oui,
Et de toute manière, c'est pas un combat de Soupa et de moi. Hein. Mm. C'est un combat que toute la population, pour tout le monde. Voilà. Tout le monde, hein. Parce que faire le tour de l'île et voir la nature et voir des pylônes partout, je pense pas que ça doit être très agréable, quoi. Hein. D'accord. Donc que vous soyez sur Fa'a, sur Punaouya ou dans les îles, si vous voyez une antenne relais à côté de chez vous et que vous êtes inquiet, eh bien rejoignez le mouvement. Donc l'association Puayote Natura vous attend au 78 75 93. 78 75 93. Juste pour terminer, avant de passer à la partie tahitienne, est-ce que vous avez prévu une sorte de réunion d'information dans les jours à venir? Oui. Tout à fait. Bon, on est en train de se réunir avec le bureau. Vous n'avez pas encore la date? Non, pas encore. Non. D'accord. Bah, quand vous l'aurez, vous nous le communiquerez, comme ça on donnera ça à nos téléspectateurs. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Taupaite. Etanu tatoit mum a haretu e terai. Nariupai tatu yupuru. Te yuman e tuput o te auri. E supa yaurana. Yaurana. Nahi to atupaite parewa. E paramauru otra tauru e paraparura. Allô? Et super? C'est un premier. T'as y'a eu autre, non? Et là, super, tenez. T'es y'a peut-être ma mère, elle m'a dit, t'es ma tue à ouvrir, t'es l'été, elle a roulé au tout, oui. Aïe, t'as dramé. T'es harré à roulé au tout, oui. Pour oui, tout est fat, il y a mon vieux tra, mon pau. Et tu vois, et t'as ta tourire et pour papa. T'es dire. Et t'es ma mère. Tapi pemia i pop if amia i hamu yo ayo mato tiur tu pemia he awot mia fare mia pamur amori yaran ai tau i o pamur mori na tu pu ta ta vini e no te apa i fat ye tram bit be fat ye bo bo faro bo ai te tarato mia pro fat ye tau ta te oi te o te PTM na PTM Vodafone terira te arora rato ya mara telecom. Te ora o tau, wei te o tau e, i a tamau lahi a tramu pau, e mai te roa. E mai te roa? E hatu mai e roa mai. Trai e papat mea toro, tumero serve, le semi, papat o te mea ketoto, tēnō tutu mea no te mea maui te po, e fifito e tu mea totora. E oi te te e mo hihi, pro e pe elektromagnetik, te mana e nene ona e... Et nous avons un ascenseur et peut-être un ascenseur. Nous avons un peu de temps. E open. Ya not open. Not proud ai itu te prapot move ai te tata. To tero farere mato ya kitava na ya Oscar Temer. No te ni la yana e nene ate ate me te prapot te vera pa ti te mom me mo finu out me. Ta te hu e nene ha mo te vera. Te ne e prop e ya te tata ya mux e fa ate pa ya ta na me. Ah na mux rawe. Na mux ma e. Te hari te hia tura tina wai te hui koi tamu mo te prapau. Ea, ai ti parawhātia hia nā mua? Ai ti mātou e whaara hia mea, e uo whera hia mātou. Ti ara mo trape epe, ai te tara mea, trapau. Ohono mā pati amu ni tā kawhe mo, te i te rau te epo. Nā tura o e mea, e a te mea guru. Yo rā te wotou, pe tu huot guru. Teo mea, e o patahuna hia poe mātou. Nā o tau e supa, ati a o te heti u hamata te hamahui a, e re noa i o ai wha a mita oi parauru, ati o te heti tēne, te taratara mai ra te e pra, nahe prune mo, eito mea, eito auri. Ia tato e ho ata, trara. No te ia mo pau, tāna noa e ho oano ona, ni e te parau o te niuniu a whaiwhai. Vini, te ura i trama. E te tauto arora, nene a nei hatopari mai te puai o te uire rito i ana, te ria tauto arora, ha? Ia pe te muhuru whaito mea pou i tara. Paso te mea o paheru tu ori tu i eternet, e ne ona e pāmu te mea te pe hihi, oru kilo met. E te mohoia e hupai, e hapa e tō rato ho ho. Te rei tau e paraura, e tae he rato i te mai. Te mei te i mahana e supa eri tu i tauto i ora, ia tau e paraunu whran, ua i te tatu e, pini pini nā rato i te aro te i mea, i o tatu ne uhamata o tau, hari wharere te mo tau te?
Et nos deux prochains invités sont salariés de la fédération Teniu Otehuma. Handicap Info, c'est ce dont il va s'agir tout de suite. Et on avait envie de vous inviter, bonjour Thierry, bonjour Mirlanda, on avait envie de vous inviter parce que depuis lundi, c'est la semaine du handicap. Alors c'est vrai que vous ne vous substituez pas au CEFI, vous me l'avez bien dit. Quand des personnes vous posent des questions, vous les renvoyez vers le CEFI. En revanche, il y a quand même des choses que vous faites, par exemple, dans l'un de vos projets, c'est les structures de type ESAT, c'est-à-dire établissements et services d'aide par le travail qui n'existent pas en Polynésie et que vous avez envie de mettre en place. Tout à fait. Ce sont des structures qui existent en métropole. Il y a les ateliers protégés pour des personnes qui ont un handicap pas trop lourd et qui peuvent progressivement rentrer aussi dans le secteur, dans le milieu du travail normal. Ce sont les fameux APRP. Voilà, les APRP. Donc c'est-à-dire les ateliers pour la réinsertion des personnes handicapées. Hein. Voilà. C'est la structure qui existe et il n'existe pas pour les personnes qui ne sont pas capables d'avoir un travail vraiment, qui ont une capacité réduite de travail. Il n'existe pas de lieu, de centre pour eux. Il y a des associations, bien sûr, qui accueillent, hein, mais ce n'est pas un vrai travail qu'il y a. D'accord. C'est une occupation, c'est occupationnel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fédération? Quand quelqu'un vous appelle qui est handicapé, vous lui demandez son taux d'handicap? Il y a l'orientation. S'il a moins de 20 ans, il va être dirigé vers la CTES. Qu'est-ce que la CTES? C'est la commission territoriale de l'éducation spéciale, c'est-à-dire que à partir de la naissance jusqu'à 20 ans, toute personne pour avoir une reconnaissance du handicap passe par la CTES. C'est le fameux Cotorep aussi. C'est encore autre chose. Après 20 ans. D'accord. Après 20 ans, les personnes, c'est pour le travailleur handicapé, la reconnaissance de travailleur handicapé. Là, c'est la Cotorep après 20 ans, jusqu'à 60 ans, jusqu'à l'âge de la retraite. J'avais entendu aux informations quelqu'un dire oui, mais de toute façon, c'est pas très intéressant d'aller travailler comme ça, parce que finalement, le travailleur handicapé qui est reconnu par la Cotorep a une sorte d'allocation mensuelle. Voilà, si elle a 80% de handicap. Et le fait d'aller travailler, en fait, il va gagner la même chose. Donc. Il risque de perdre son allocation. Donc souvent, malheureusement, les personnes ayant un handicap ont eu peu de formation, donc ont des niveaux de rémunération faibles, bas. Et donc quand il faut payer son transport, son repas, et puis après voir sa pension supprimée parce qu'on a gagné juste un tout petit peu au-dessus, bon là, ça, c'est vrai que ça n'encourage pas. Donc ça, c'est une demande qu'on a, qu'on puisse trouver un plafond
Pour pouvoir cumuler les deux, voilà, en fait. Cumuler voilà. un certain temps les deux pour avoir un niveau de rémunération correct. Un travailleur handicapé, est-ce qu'il gagne comme les autres? Oui, c'est un travailleur comme les autres. Donc il va gagner le SMIG au minimum, il ne peut pas gagner moins. Voilà, il ne peut pas gagner moins. Les avantages sont pour les employeurs. Ce sont les employeurs qui peuvent avoir éventuellement des aides si le travailleur est reconnu A, B ou C, il y a 30 ou 50% d'aide. Mmh. Mais ce n'est pas pour tous les employeurs, c'est une demande qu'il faut faire. Mmh. Et les employeurs, c'est en général des grosses entreprises qui prennent des travailleurs handicapés. Il y a une obligation d'emploi maintenant à partir de 25 salariés. Donc voilà, avant, tout le monde peut en embaucher, et l'aide pourra s'appliquer. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une obligation maintenant d'emploi pour les entreprises de plus de 25 salariés. Mmh. Quel type d'emplois sont offerts aux personnes handicapées? On doit pouvoir tout faire, tout proposer. Après, bon, bah, y a des handicaps qui empêchent de pratiquer certains métiers, ça c'est certain. Mais après, bon, il n'y a pas de limite. Voilà. On a tous nos incompétences aussi. On ne peut pas tous faire tous les métiers. Donc chacun a ses compétences, chacun a son handicap et chacun... Donc quelqu'un qui est handicapé, qui a envie de rentrer dans le milieu du travail et qui ne l'a pas encore fait, qui n'a pas fait la démarche, vous lui diriez quoi? D'y aller, franchement? Il faut déjà aller à la cellule handicap. C'est spécial au service du travail, le 50 80 90. Donc, il y a le numéro de téléphone de la cellule handicap. Et là, s'inscrire, se faire connaître, y retourner régulièrement, obtenir des rendez-vous, parce que j'ai appris récemment que ce n'était pas facile aussi d'avoir des rendez-vous. Des gens demandent, parce qu'il faut prendre rendez-vous et puis après on vous contacte. Là, j'ai appris que c'était pas toujours les contacts n'avaient pas toujours lieu. Donc, ça, faudrait insister. Ou alors éventuellement passer par vous qui ferait office de relais. Non, puisque le travail, c'est le CEFI. Eh oui. Donc, on reçoit. Est obligé de toute façon de passer par le CEFI. Hein. Voilà. Donc, c'est cette fameuse cellule handicap au CEFI, le 50-80-90. Donc, notez-le, ce numéro. Et puis, si vous avez un petit peu de peur, si vous avez besoin de conseils, à ce moment-là, on peut appeler la fédération et dire bon, comment je fais, qu'est-ce qu'il faut que je dise, etc. Voilà, tout à fait. On est là pour renseigner. Hein. Il y a le 819-819. Maintenant, c'est un numéro facile à retenir. N'hésitez pas, vous nous appelez avec Mirlanda. On est là pour répondre à toutes vos questions et vous orienter. Bien sûr. Alors, la veille, la centralisation de toutes les informations pratiques, ça fait partie de vos activités. La veille juridique, la diffusion et la consolidation des textes qui sont existants. Donc, ce qui existe aujourd'hui au niveau de la loi pour les personnes handicapées. Voilà, donc, en Polynésie. En Polynésie. Voilà. Les gens qui ont besoin de plus d'infos, on peut les retrouver au niveau de la fédération. La mise à disposition d'un véhicule spécial pour passer le permis de conduire. Le permis de conduire, tout à fait. C'est un véhicule adapté. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser un véhicule manuel, donc ils peuvent utiliser, on a le véhicule, il est à disposition, ils prennent leur leçon, ils passent leur code, et puis on passe assez vite en plus. En véhicule adapté, oui, je vois qu'on le voit à l'écran, on apprend très très vite. Allez-y, la fédération est là pour vous, et ils ont édité aussi Handicap Info, que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc pour avoir plus d'infos, le site www.handicap-polynésie.com, un numéro de téléphone, le 819-819, c'est le numéro d'Handicap Info. Et puis autrement, le numéro de la fédération, 790-880, 790-880. Merci Thierry. Merci Lénaïque. Ilonda Yoran. Yorana Mario. Marurumo ite totao farreita. Harer tau eru tuitfa ohiera yoren e. Wate tiro totao etereru. Te veine te hoi amu teira, te parauno tatato mo kuma, rau. Road out te kumo te topo hea te oa, te niu o te kumo. Oi amo. Te ura, era vai rei mo taati ai taati hea tūru tui te ia pūta oto. E toru ahuru mā pē, taati rā, i whāo i roto mei i tēnā, i a te niu o te huma. Te ura, nā o tato te veire i te iara puma. Oi amo. Te ra wā, whātere hea re Bernard Lenoir. Bernard Lenoir. Te veit ora nā o e Namataia. Namataia. Adriana, François Gomez, te veira toa i Ifa'a. Ifa'a, eh? Te anan hei no te tama. Te ura ati a, nene toa, parau te veit ora nā te momutu. Oia mo, te veira i Burabura, i Huahine, i Taha'a, te veira i Tupu'ei, i Marquis. Te reo mo wahi tā toa, ua amu hia mai rutoi te iepo. Oia mo, oia mo. Oia mo, te niu o te kuma. E hata o tō numera nuniu? Tama tō numera nuniu. Pauhanere hoi ahuruma. Pauhanere, hoi ahurua e maiva. Taratatatore e mateitere ni eit awhatatea ta tenira. Pauhanere hoi ahurua maiva.
Bauhandere ho aru mai va te numera nuniu no te hamar mar mar ai o tau i te rau o te mai kuma te e maha. Oia. Te nei, te hamata tō ara te nei, te teimo te e te ehepa e te hepu i te e mo tata kuma. Oia. Te e nei, ia tēnei rato i te piti ahuru mā pē, tātarawe ehepairu te te e te, wat uhe ia ho e ture. Te rira. No te re mo tō te e te. No te whao me ho e ata huma. Hoi no iora, mi ta amoi, rei utei me tipaet me titi oru. Oia, oia, oia. Au au e hare hore e ti mahana pere, whare rei te tata ia kasto, reo kasto na mune, te vera tano, oia, ti kape, me nani etu mea parira huira. Oia. Te a, wahamatat mo te hete. Wahamatat mo te hete tenei, te vera tua i ti paerui, mea plastise, e mhat atai o. Te vera i te whare oire no popo e te. Oia. O kere noa. Mata pō ia. Nāna paono, o ia mau. Stodhāra pa, inari tātou i mburu. Trara, e ere me hare nua mitera. Eita, e ere me hare. Te reira hoa te te whanohora, e ronurutu mai au, tu me te tauturu rapa ia. No te tauturu, o ia. Ia, mau ata huma, e hare rato i tware atko tō rep. No te hamani ho e prou, prou whaite. No te porou e ata huma ona. E hina aro ona i rawetuhipa. E hina aro ona i rawetuhipa. Nā te sefi tēnā. Te wā, nā au no tau. Hara no tātou i te sefi, nā hati hapapura e, e mai huma tona. Hare tap o te oa. E, te ria mune tāpu. Nā morua tu tap o te oa. Horua te mō pāwhi, te mutu i te tāu tāna. Te vaira. Te vaira. E, nā rato e tauturu i āna, no te imi ho e ohipa. Nā au tātou, e whaoti tātou o pōpuraurai o, whaitoi tō tātou te momento, te vaina tātou mō te mori huma, ha? E te pai te vaira, whaitoi tō tātou, hare hea marmano mai tātou te sefi. O, ia mō. Nā rena hara mai hio i o tō, no te tēno te me, ha? No te iritirai tū puta i ane, ne tātou mō te mori, e o i te ohipa. Tira rātu ai, awa no wāte hepara. Ai tātue i e te maru. Ai tātue. Mario, te vei ratuara no te pēto o te hapira. He. Ne, te tauturu no ara māua, te mō metua. He. Wahin āro rato te te mō maha maramaraa, ne ho te hapira. Ore rā, ne ho te mō tauturu. Tauturu. E nenhe e horua no tā rato mō tamari. Tere. No te pē hapira. Mā rauru mai tei, nā o tātou, raunu atua te hunga i vairere tui tō tātou orara a mitipo e hinaro o tui a hamaramara mahia, niniu no mai o tui tera numera niniu, tāu i whai te turu e arua. Hare tātou ni e tātou mō parau api, no te ia teime nei, me te mātru he tātou tātou mō parau api, no te ia mahana nei, nā o ia tātou e, tāho pahi mō parau i api i anapora, e tō te ia mahana, penea, tōraro. Merci à tous nos invités qui nous donnent plein de clés pour avancer. C'est l'heure des informations. On retrouve tout de suite Chiquita Teiva d'Arouzès. Bonjour Chiquita. Bonjour Lénaïque. Et on commence ce journal avec un volet, on ouvre le volet de la justice avec la demande de libération de Cyril Le Gaïc, une demande qui a été refusée. Tout à fait. Cyril Le Gaïc est maintenu en détention à Outagna. La décision du juge de la chambre de l'instruction est tombée à 10h ce matin. Mardi, l'avocat de Cyril Le Gaïc, Maître Hans, avait sollicité la libération du leader syndicaliste de la CSIP pour motif qu'il était claustrophobe et sujet à de l'hypertension. Et puis donc, autre prévenu qui a fait appel à la décision de justice, Bill Ravel, son avocat plaidera donc mardi prochain à la cour d'appel de Papeete. Santé à présent avec la journée mondiale de lutte contre le diabète. Eh bien, la sensibilisation contre le diabète a décidément fait son effet. Depuis 3 ans maintenant, les propriétaires des roulottes installées devant le collège de Mahina privilégient les crudités dans les casse-croûtes vendues aux élèves, comme l'ont pu constater Eric Tang et Christian Dezot. Depuis quelque temps, Mariette agrémente ses casse-croûtes de salade et de tomates. Un supplément indiqué dans le menu, mais qui n'a pas encore la faveur des jeunes. Je propose toujours des légumes, hein, sinon des tomates, des concombres, ce que tu veux. La plupart des élèves mangent pas des légumes. Quoi. Et pourtant, ces crudités rendent les casse-croûtes plus digestes et équilibrées, un moyen pour éviter la malbouffe. Une recommandation de la direction de la santé, en principe suivie par les roulottes et snacks autour du collège. Je te remets également le guide hein, sur la formation qu'il y a eu au mois de février à Mahina. Donc voilà par rapport aux recommandations.
Sans formation, les commerçants ne sont pas autorisés à vendre devant un établissement scolaire. Quant aux élèves, même sensibilisés à une meilleure habitude alimentaire, beaucoup conservent de mauvaises manies. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu manges, là ? Une glace. Mais pourquoi ? C'est moins cher. Pourquoi tu manges que des fruits ? Des fruits, alors ? Qu'est-ce que tu en fais des fruits derrière, là-bas ? Non, parce que j'aime pas la papaye. J'aime pas que ça. Juste à côté, ce stand de fruits n'attire pas les foules. Pourtant, ces mangues, bananes ou papayes feraient un bon dessert, ce qui n'est pas encore du goût des jeunes. Depuis que j'ai vendu ici, il n'y a que les personnes âgées qui veulent manger des fruits. Heureusement, parmi ceux qui ne jurent que par les glaces, sodas et bonbons, certains résistent à la tentation, mais la prise de conscience est encore lente. Pourquoi tu bois de l'eau ? Est-ce que c'est bon pour notre santé ? Les bonnes habitudes alimentaires se prennent dès tout petit. C'est possible également de changer aussi au fur et à mesure. Il y a tout un travail donc avec l'école, avec l'environnement, mais aussi également avec les parents. Certains ont même pensé à installer un cordon sanitaire autour du collège, histoire d'éloigner roulottes et snacks. Le genre de décision pas très électoraliste. Je vais prendre la défense des enfants, hein, parce que oui, j'aime pas les légumes et tout ça, mais si on leur propose pas dès le plus jeune âge à la maison, ben, faut pas s'étonner qu'après, en dehors, ils n'en mangent pas non plus. Hein. Donc ça, c'est un petit message pour les parents. Au niveau social, on parle budget avec la CPS. Tout à fait, alors que le gouvernement envisage une allocation aux familles sans emploi dans ses orientations budgétaires, les administrateurs de la CPS, eux, ont bien du mal à boucler les finances de l'année et les prévisions de 2013 s'annoncent également dans le rouge en raison de la baisse de la masse salariale. Le conseil d'administration se réserve 2 jours, aujourd'hui et demain, pour tenter d'équilibrer les comptes avant de le présenter en conseil des ministres. Et puis, en bref, on parle emploi. La 3e édition du Forum de la micro-entreprise a ouvert ses portes ce matin sous le hall de l'Assemblée de Polynésie. Les ateliers pratiques et les stands ont accueilli dès 8h le public. Et on parle environnement à présent dans ce journal. On en parle depuis maintenant trop longtemps de la préservation de la vallée de la Punaru. Un livre blanc serait peut-être la solution. Une base de travail demandée par la commune de Punaoya est prête. Il reste maintenant à rassembler et mobiliser toutes les associations et surtout les industriels de la vallée à travailler ensemble. Et du sport pour terminer ce journal. Rugby avec la Coupe de Tahiti, c'est ce soir donc sur le terrain de Fatahoua. Central Sport rencontre en demi-finale les Vieilles Pompes. C'est en division 2, c'est une équipe donc vétéran de Tahiti. Et FAA tout de suite après affrontera Punaoya pour la demi-finale en première division. Et c'est la fin de cette édition. Merci Chiquita, on vous retrouve bien sûr tout de suite pour lever à poteau et avec Mario aussi. Ya marunong mga ito tato farere ay tete may harta to ni tato mo pro api poto noa si kita yaw rana. Yaw rana Mario. Tiyo pa pa ni way ni te paruro si rilogay kaya ya iriti him o ya may fretap er anun nutania aita. Tra aita te piyahi upo rature i far iya iti anira siri lugay kaya tuhiya oya watu pamaya te fautir a ite ni pa pa ni te hora huru mahana pitira ito te paruru anstan ni anira ite tripuna iya tuhiya te o te opupu CSIP tra e maunua i oya in utani area Bill Ravel watuat o oya i moi te tripuna haparari te te anira te te horor a mahana pitiya to na prau e to ta papahia oya tato te yo prau harta to ni ite mai o Mahatiota, ai anapori, ai mate, ai terapara rulot, ai ari tu, ai kaskuri, mono mono moita i. Tra imagina ia, Mario, imagina te reira te tavrir ahia, i reira o opua ia te maupere o maa, e if ai ti mai, i te mau maa hino nen he tatoi prau, te mau maa mona mona atu ohia nera tu, i te mau tamar i, te me te moha papura erve, marzan rau Christian Duzo. I te tau ahuner a, MH, e pam hana ti petoma, E ti au mamaro sa i peihoi te whare hapit atua rua no whare oi, e whei a arian era te harmene e o tāna mum a hotu. Mu pra a papa, mu pra a mama, trana, e tura tamat i hare hapit a eiteia. Me miau e nā ratu hare amu kaskrut, te glas te hatu, e te ratu e amu nei tatatu maa. Nori ra mai te whaotira a muira wehia te oire e te whaatere a hau no te ea. If aiti rua te o taramum a hapuria, e taramum a ino no tam aichota. Te tumu ia te maupere o hoom a uawhar i e uatua te tei maurauota, te tomate, te toto mai rutoi taratu tapu frao. I fuho whari,
No te yema hoor a nat uriti prof ati ai hurwa ya uriti mof awir ati puf ateri no te opurur ai ai aturahia nin he etapu te fifi pe no te ano tau ha mato hia tata to mo tomar ite mo ai te mof a homaru a hap o opu pa yano ate di mato ha meni ju mo ge un drama me tu tu no nat tomar i pari wara glasia I te reo o te mauti awhatere no te aupuru a ea, toru mataiti tēnei rātou in ei te ihuru whanhon a, pāpūra e ohipofofa a ore mei te peu e aita te metua, e tāu āra. Ha mātou tēnei tātou i tātou mo te mori i te, me aurotra mo te mori i nei nei, mātou nā rātou i te amu tātou mo mahotu, tūpas, trāra mo te mori pāri e reo a te mori ohino te meu, mātou rātou i te amu tātou mo parahorao, i nā ake tāpū te roro, whārahi te mai onas, ahi o te mai. Oi ho tato itraparo. Ani, te fori te ruta, te fe ai hane roto, te fatere na, te roto to rato te tua tapo para, te porau no te tapro fofa. Oi emau, te hina arone i mari o te tato, te hina arone te hofinu ha amau, te oi tauturu moni na te moutua fere aure o hipa, i te pae no te tomitera, tomite mana hope a te afata turuta, te fifine ia, mari o te tapro fofa au teiene ia matheiti, ar ea te mof aur a no te matheiti a pie whamai nei, mia fifirua ino inha, wa toparua hoi te rei a rabe o hipa, piti mahana e vaine i moi te tomite mana hope o te fere turuta, no te opanita rato tapro fofa, hou a vavo watu e te rere moa i te ap or a te mau whaatere hau. Ti te mua propoto na tau, no te te mene? E hare tatou i te whare ap or a rei, wa iri ti hea iei tēnei pui pui te whare reir a nā te mau teieter i nei nei, nā no reira tapapar hei atu, e mai te mea te opua ne oto, e ha mau i tā oto teieter i nei nei. Te veira hoa e tera i o ai, te whare o te ap or a rei, te veit ora i uta mai. Te rere moa ha marmar a o rau churu. Utan, no te tauturu a hoa i tātou rotoi tō tātou ora a imi i te oipa, fawfa ato i a tō roto, Prau no te arutei marewa te weinei te te tātira te hea mohi rotei te tua o ire no punavia, ere ane? Tra mea maoro, tau matheti tēnei te tuatapapano he neti parau no te parurur ai te afa no punaru tēnei a te opuanei te oire hamau te tei puta uo nā reira tātou i parau no te paruru ia punaru weinei ne te tei puta whaatoro te tue noora tēnei ia toa ati mai te taat oar au te mau taatira a paruru natura te anua tū te mau teie tei huarai ha ane rotei tēnei afa no te hamana roa i te ie a puta. Tano hoa timenea bobi whaatura pa i te nātura, tira rātua i, māna e i tō tātou nātura, mātua i a tō tātou tino. O paniro arai tātau a ea poto, parau e no te tu aro, whahoro rā popo. O ia mau, harura au ai no teiti i te iepo, i te tau a whatau a, e whau atu i au Central Sport i te pupu mātua tu a teiti, no te tatau a awhahop ea tuha a piti, i muri no mai te pupu i a wha a, te whau atu i tō puna au ia, i roto i te tatau a awhahop ea tuha a matamua. Trahoma, hopiroa te whanhor a, maruru i tō tātou ne wharerir a e pārheian a. Maruru me teise ki tāno tātou mō pro api no te iete mene, tera, parau tera no ki tūaro, mi te pēu e hinaro o tō e, ha pono pono i tō o tō tino, whā eta e tā te tātou ara o tō tō tino, tātou i anu mani ni whari mai te iete me, no te e mahano pēne. Kua? Bō, si ria di tū, ha? Tush, tush. Te avi mō pek tōro? Ai, tōraro, tāmi, komi, tāmi. Jeanne, bonjour, merci d'être là, prenez vos micros. Alors, cet événement, le Grand Prix de Polynésie de Force Athlétique, ce sera ce samedi. Oui, ça commence à quelle heure? Ça va commencer en principe à 9h, on aimerait bien que ça commence à 9h. C'est-à-dire, ça c'est un message, ça veut dire soyez à l'heure. Voilà, parce que ce soir, dans la salle de JT, on va peser tous les athlètes. La pesée, la vérification des costumes, du matériel, tout doit être fait ce soir. On porte un costume Oui, parce qu'en force athlétique, il y a l'équipe avec équipement et sans équipement. Parce que nous avons changé de fédération internationale, mm-hmm. Nous sommes à la GPC
Et donc, on a le droit de faire le championnat avec l'équipement spécifique et sans équipement pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Et l'équipement spécifique, c'est quoi ? Une sorte de juste au corps, là ? Voilà, on a la tenue de pec, la tenue de squat, principalement. Avec les ceintures, on les voit avec des ceintures. Oui, la ceinture, c'est quand même obligatoire pour la sécurité des athlètes. Le bodybuilding et la force athlétique, c'est deux choses différentes. C'est deux sports différents et c'est deux manières aussi de s'entraîner. La force, on fait le poids maximum qu'on peut. Tandis que le bodybuilding, on fait un régime pendant quelques mois pour pouvoir faire sortir tous les muscles. Et d'accord, on est là, jugé c'est pas du tout sur le principe dans la force athlétique. Voilà. La force athlétique, c'est pouvoir soulever plus de kilos possible. Voilà, c'est ça. Et alors, ça commence à combien quand on fait des compétitions comme la vôtre? Ça commence, il y a un minimum, il y a un maximum. Enfin, il y a pas de maximum, mais il y a un minimum. Non, il y a pas de minimum. Ça dépend des catégories de poids. Chez les femmes, le poids commence à 44 kilos. Chez les hommes, à 52 kilos, on porte ce qu'on peut, le maximum qu'on peut. Et en général, pour une personne qui fait 44 kilos, elle peut aller jusqu'à combien au niveau du porté ? Du porté, chez les femmes, il y en a qui, quand même, en squat, arrivent à faire 150 kilos à 44. Et moi, j'ai vu dans les compétitions internationales, le niveau est quand même assez relevé. Trois fois leur poids, oui, quand c'est, même. Oui, c'est à peu près trois fois. Ouais, c'est ce que je faisais dans le temps. Je portais trois fois mon poids. Et c'est combien d'heures d'entraînement pour arriver à ça? Bon, disons que minimum, on s'entraîne trois fois par semaine. Moi, vous savez, des fois, il y a des sports, on entend dire des choses et on ne sait pas si c'est vrai, mais on garde comme ça, c'est des a priori. J'ai toujours pensé que faire du sport comme ça, quand on est trop jeune, par exemple, c'était pas bon parce que ça empêchait de grandir. Non, voilà. Pas du tout, puisque la force athlétique, suivant les fédérations, c'est 14 ans, la GPC, c'est 13 ans. Donc, on estime qu'à partir de 13 ans, et puis on leur fait pas porter 200 kilos non plus, quoi, tout est relatif. Donc, d'où vient cette croyance? C'est comme partout, dans tous les sports, il y a des croyances. Donc ça, c'est faux. C'est parce qu'on connaissait pas. Et puis peut-être parce qu'on le fait mal aussi. Voilà, puis les médecins, les médecins se sont mis dedans. Et on a fait des études quand même depuis des années et des années. Donc ça a été prouvé que ça ne bloque pas la croissance d'un enfant de porter à 14 ans. Mais bon, on va pas leur faire porter un poids maximum. Bien sûr. Et là, la compétition, il y aura aussi des enfants ou pas? Non, il n'y a pas d'enfants, pour le moment, on relance la compétition parce que c'était tombé un petit peu dans l'oubli. Il y avait pratiquement plus personne qui faisait. Donc, on a des jeunes. Effectivement, on a des juniors et des sub-juniors, enfin des jeunes. C'est à partir de quel âge dans ce cas-là ? C'est entre 13 et 19 ans. Et puis après, on a les juniors jusqu'à 23 ans. Mmh. Après, les seniors et les vétérans. Donc, combien de compétiteurs on va retrouver à Fatawa ce week-end ? Enfin, samedi. Je pense qu'il y a pour une première, peut-être une quarantaine. Une quarantaine ? Oui. C'est bien. Et qui viennent de tous les clubs de Polynésie? Voilà, de tous les clubs. Oui, il y a même les îles aussi, puisque notre nouvelle fédération, on a pratiquement 6 clubs. Il y en a qui sont déjà affiliés et d'autres qui sont en train de se renouveler et de se créer. On a des clubs de Marquise, aux Australes, et Bora, Rietea et dans les Tuamotu. Ceux qui s'entraînent à la maison comme ça, sans personne, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez? Non. Pas trop, ça c'est pour faire, parce que on peut pas corriger les mouvements, on peut rien faire, et puis pour progresser, c'est difficile de s'entraîner tout seul. Peut-être. Donc rejoignez un club. Ouais. Ouais. Le conseil, ce serait rejoignez un club. Et il y en a un petit peu partout, mais si on veut plus d'infos, on peut déjà vous appeler au niveau de la fédération. Voilà, c'est ça. Donc 78 06 74, il y a également une page Facebook que vous pourrez ouvrir et avoir un peu plus d'infos, c'est FTCSF Tahiti, et ça c'est la page de la Fédération Tahitienne de Culturisme et des Sports de Force. Donc rendez-vous pour ceux qui aiment ça, ce samedi 17 novembre à partir de 9h, salle Fatawa. Fatawa, merci. Voilà, c'est ça. Juste pour terminer, c'est combien ? Non, pour la force athlétique, c'est pas payant. Par contre, pour notre grand championnat la semaine prochaine de culturisme, oui, c'est payant parce que nous faisons ça dans une boîte. Mais on en reparlera avec Manu Buchin, voilà, je crois. C'est ça. Donc ça sera un autre sujet. Merci Sylvie. Voilà, au revoir.
Vous allez vous préparer pour faire une démonstration. Marudu. Jean, Yorana. Yorana. Marudu, moi, t'es tout à vous faire rire. Et t'as tiré à te yer.36e salon artisanal des Marquises. Déjà, ça passe vite. Sarah et Stéphane viennent nous voir comme chaque année. Bonjour tous les deux. Kawanui. Kaoha. Alors, vous savez, tout le monde est arrivé, tout le monde est prêt? Tout le monde dans les starting blocks? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Aora et Tini Hao, prêts pour samedi. Samedi jusqu'au 2 décembre. Jusqu'au 2 décembre. Et alors, ça commence ce samedi, la cérémonie d'ouverture. Tout le monde est invité à aller. Hein. Bien sûr. Toute la population est invitée à venir admirer tous les chefs-d'œuvre, tout le savoir-faire des Marquisiens. Là, vous êtes venu avec un exemple, là, par exemple, de ce que c'est vous faites. Planche. C'est une planche à découper. Alors, vous avez de l'autre côté. On découpe de l'autre côté. Alors, ça, c'est le côté joli. Voilà. Et on découpe. On découpe là. Ah, oui. Et lorsque c'est fini, vous nettoyez. Et pour mettre sur la table, alors, c'est le côté sculpté. Ah, d'accord. Ça sert de pose-plat. Pose-plat et en même temps de planche à découper. Mais moi, quand je vois un truc aussi joli, je voudrais même pas l'utiliser déjà. On a proposé à Mario de découper son fafarou là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, il a dit,
Ça, c'est ma planche. Donc voilà, voilà le type d'objet qu'on peut retrouver. Bien sûr, les sculptures, ce sont des objets qui sont très, qui viennent des marquises. Hein. Quand on parle sculpture, on pense tout de suite aux marquisiens. Quand on parle tatouage aussi, donc il y aura aussi des tatoueurs sur place. Des tatoueurs. Alors nous avons justement, alors comme d'habitude, sur le bois, sculpture, bois, os, pierre. Et bien sûr, il y aurait des créations, mais nous découvrirons ces créations avec tous les acheteurs qui vont arriver ce jour-là, c'est-à-dire à l'ouverture. Bien sûr. Il y aura des concours ? Des démonstrations. Des démonstrations plutôt. Donc démonstration de sculpture, démonstration de... De Umuhei. Que je porte dans les cheveux. Oui, et quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit « Ouh, ça, ça sent bon !» Donc, c'est le parfum de nos anciennes... avant, en fait, le parfum n'existait pas. Donc, pour se parfumer, on faisait un bouquet. Voilà. Et ce parfum est tellement spécial que lorsque quelqu'un passe avec ce umuhei, on suit. C'est pour ça qu'on dit qu'on s'en sert pour attirer son prince charmant. Voilà. Si on veut, si voilà, on veut. Voilà, mais bon, ça sert à... C'est le parfum. C'est le parfum des marquisiennes. Donc, si vous voulez apprendre à le faire, il faudra y aller. Bien sûr, on pourra goûter la le cuisine. Le kaikai. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles par rapport aux précédentes éditions? Est-ce que là, cette année, vous avez proposé quelque chose de différent? Comme quoi? Je ne sais pas, dans la programmation, dans les démonstrations. Dans les démonstrations, nous avons toujours les mêmes démonstrations, mais bien sûr, tout le monde veut connaître comment faire. Et tout le monde est toujours intéressé par les démonstrations de tapa, démonstrations de umuhei, comment faire les graines, les sculptures sur os. Les sculptures sur graines aussi, qui sont formidables. Oui. Ça a commencé aux marquises. Maintenant, vous êtes, on en trouve un petit peu partout. Mais les graines aux marquises sont particulières parce qu'en plus, elles sont un peu plus grosses. Les graines de tamanu qui sont peintes, ensuite sculptées. Ah, quand elles sont noires, ce sont juste des graines peintes. Peintes. Je pensais qu'elles étaient déjà noires. Je me dis, tiens, il doit y avoir des graines spéciales aux marquises. Non, non, elles sont peintes. Oui. Donc, on aura quelques petites... Astuce, comme ça, vous allez délivrer vos secrets. Comme d'habitude, on délivre. Ça, c'est gentil. Est-ce qu'il y a un volet historique, culturel, dans l'histoire des marquises qui sera aussi... Au dernier salon, il y a eu justement sur l'île Rouge, qui est Eyao, cette année, non. D'accord. En revanche, ça me permet de rebondir là-dessus, puisque cette exposition a lieu en ce moment à la mairie de Papeete. Donc allez-y, vous allez à l'exposition et ensuite vous allez pouvoir aller au salon des marquises à partir de ce samedi jusqu'au 2 décembre à Auraitinihau. De quelle heure à quelle heure est-ce qu'on peut aller là-bas? Alors les heures d'ouverture, c'est toujours à 9h. 9h. Et il y a deux salons. C'est jusqu'à 19h. Hein. 9h, 19h tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, Auraitinihau, ça veut dire que vous habitez sur place Beaucoup habitent sur place. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire nos salons à l'ancienne présidence. Nous sommes obligés de faire là-bas parce que, Tinihau, il y a tout ce qu'il faut pour... Oui, il y a des douches, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut, il y a les salons, plus grand aussi, et il y a le, comment on appelle ça, là où on mange, quoi. Oui. Le restaurant de Mando. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose dans votre organisation pour quand vous faites venir comme ça tous ces artisans des marquises? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous auriez besoin? On aurait besoin, non, mais nous remercions justement ceux qui s'occupent de toute la logistique qui préparent. Ce salon-là, c'est au niveau du service de l'artisanat. De l'artisanat, oui, de la culture. Et on remercie Véronique, Luana et tous ceux-là qui s'occupent. Et à chaque fois, elles sont là pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on expose, voilà. Mais le travail, c'est Véronique, Luana et le service de l'artisanat qui s'en occupent. Une question, parce qu'on voit de plus en plus de blogs de photographie. Est-ce qu'on peut prendre en photo les objets quand on va vous voir? Oui, il y a beaucoup qui acceptent à ce qu'on prenne les objets, mais il y a quelques, surtout les sculpteurs sur os, qui font des chefs-d'œuvre, qui ne veulent pas. Donc c'est les pièces uniques. Voilà. Donc dans ce cas-là, quand vous avez envie de prendre des photos, le conseil ce serait demander avant de prendre la photo, comme ça vous évitera de recevoir un coup de casse-tête sur la tête. Non, ils sont très gentils les marquisiens. Le salon des marquises, donc du 17 novembre au 2 décembre de
Voilà, de 9h à 19h, hein, à peu près. Hein. Et venez, venez. Voilà, venez très nombreux. Et si vous voulez en apprendre plus, vous allez sur le site du service de l'artisanat, www.mca.gov.ps. Et ça se passe bien, Aura Itinihau. Oui, Aura Itinihau. Et le numéro de téléphone, 54 54 0 0. Aura Itinihau. Ah, ok, au tiroir, c'est bon. Non, non, parce que j'ai entendu parler ailleurs. Hein. Ah oui, mais ça, c'est les autres marquisiens, parce que là, il y a les marquisiens qui arrivent de Marquise. Ah. Stéphane, Kaho. Kahanui Mario. Marou, mettez tout à l'heure, Farid A. Take what, Tene, Amuthe A. Take what, Tuhu, Kahanu, Anata. Oh, lolo, sorry, Drake O. Et tu es fan de la, Stéphane, Hamata Ona, Mana Mane. Mana Mane. Ahuru Mahitu, no te awa, hein? Teria. Pour aller voir tes peuples, iriti, iriti. Traharé là, on traharé là. Et piti notei avai moni atau. Au atitemo, te piti notei avai atitemo. Aru era na omenu le naike, na na po te fari na utro no fari. Horuaho na o e pope fa faru toroto. Te era ine iri tapupur aman auto horuato na o yara to di mai tapupui. Stefan. Now, etane tahi ata auto ya foi menan u. Oia, oia, etane merhai, merhai tahi. Merhai tahi. Na uta to we ne ha maru ru mai tahi. Tramu pai mi ara nu ima te tari la mai auto mo tahi ai te ne. Ha? Eh, karo ni ho to mato pai tari ne to mato mo tahi. Etane o tu fe at o nan u hi o mai. Eh, ho ina eh ho ya huru. Eh. Tra, o tai pauru mo tahi mo tahi. A we ne ne o to, i fari tu na te Mario. O ne ne mai tahi. Te ni tra fa na ora tata tu ya ora i te neu. Ai te mahana tūtū ore, paura te mahana mai te pepei e hora he tūtipo. Te ria, te ria. Hora te ia. Mahuru te ia. Mahuru te ia. Mi te mataro e tato to te nui. Haramai mātai tai, haramai mātai e, nōtuma te vairati te mūtahia me api. Me api. Haramai mātai tai. Te veiro koe te hipara, you hare nātu o te ananai, mi te iriti te ia vate, ananai hana tu, o tāp oia skoshi neo vantu, tro tā. Te ura tata viti viti. Hunoa he wata. Hunoa i ana, nari a tatu i para ua. E tu mea pinipine tu ana ua te hare mātei te. Te veira, parau no te maa, i roto i tata tu whana hona i aurei te niha ua. Oia, no te parau tu no te maa, waine ne pōroa. Traha mo maa nuhi ma, mi te keiko tahari, te mau i amito, papa pōroa. Te tero au, te tei teme te vene, te tei mo pupu whatei upa, o reira pupu ori me a Takitoa. Te pupu Naipuro News, Barifoot. Dari awal, awal matau ena matau, notman aratau fa aderen fanan taya matau porot mu fatupura matau tei fai tei tirata matau. Na otau Stefan, na woi pai paturu tei hipata otu terene te fatere la haufinu atu. Wea, prau mau tei vari hote te tau turu fatere hau te mea te haufinu a. Te vari tau turu haufinu. Mau ru hoi te haufinu i tau turu la mai tei hipata matau no te finu aina tamai. Te vete ora we teimo tau turu atua mi ta mamai prohora aru era te teimo poti. Te ho ato rato teimu, no te. Tau ria hewa, te ria hewa, me papu hoa te ria, me papu te ria Mario. Te ura? Aia. Pi? Pi, hare ai mai. Whārahi mai. Mana mātā tau wharerei ai tēnei, mau tae mo tuheni no tātou no te whenua nātā, i aura i tini heo, mana mai te pepau, nā ora i o wau e ruto te tārena papahi a horeiwa, me me te hare i o horevau, e tai o toi mua, mi te pehare me o toi tra hora horeiwa, warere o toi muri. Naria pa ihe para ua. Naria Mario. Maruru mai te Stefan. Whaeno ma uru arito pui mātou, ta hare hopaira tātou whanau rā, te teimo mahana whanau rā. O hioi nā te, nā te huri tāua, te huri tāua auira, hoi mo teiti tō e te mahana, aita, piti ahuru mātaru mo teiti tō e te mahana, o wajo mahana whanau rā, naruto e te mōwhetī pātua, tō ti arei, e tō mōrea. Jacqueline te whātau, o wato e te mahana whanau rā, te mahana, no te toru rā, te mo teiti anu, te ria nei, naruto e teni rā, te whetī pātua, parisea mā, te apa me te atune, vi, na wanina te mahana whanau rā, te tei atua, nā te whaiar i nuhei, ai, 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 o e te mahana whanau rā, toru mo teiti tō te ai ui te mahana, nāra tō e teni rā, tō e mamā, tō e papā, Eva Flores i arue, pē ahur mā toru mo teiti, i waru au, ai, ru au ruatura, i ono huru nā waru au, o e te mahana whanau rā, toa i tei mahana, hei manu mai tui i awhahiti, o ato i toi mahana whanau rai te mahana, nara toi te reni rā te mo whetii o te ie a pāme te atu nei o i atua, nā mami nātua, norto mai te ie o pu whetii klā, o i toi mahana whanau rā pa euru mahitu mo teiti, bi,
Oui, et puis Poeiti Teritahi nous a envoyé un petit message donc pour aujourd'hui, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Tati Tori et à moi-même, pour nos X pétales de rose, et tout ça c'est de la part de la famille du côté de Punaouya. Il y a également Hawaii Garbut qui souhaite un happy birthday pour les 21 ans de Maui Glenn Garbut, c'est de la part de maman, papa et tout le monde qui te font plein de gros bisous d'amour. Et on terminera avec Jeannette qui souhaite un bon anniversaire à sa belle-nièce Jocelyne Temaori, épouse Rehua, pour ses 47 ans. Oui, Nana, à demain. Demain, on va danser. Ah non, non, il n'y a pas de problème. Ah bon, musique.